En vérité, moi, tous mes livres, si je réfléchis bien, viennent d'un trauma. Bon. Il y a celui de l'enfance, qui en lui-même est un trauma, même s'il n'y a pas d'événement fort comme ça qui vous bouleverse. Moi, j'ai un souvenir de l'enfance et de l'adolescence qui est en effet quelque chose de traumatique. Donc, quand on les éprouve, on n'a pas encore l'idée qu'on va écrire, mais c'est plus tard qu'on se dit, voilà, je vais essayer de ce réel-là, de le mettre en mots. Voilà, c'est un peu ce que je voulais signifier là. Et dans le livre, le dernier livre que j'ai publié, si on le lit, on s'aperçoit que l'enfance, par exemple, occupe une place très importante. Je rappelle quand même, vu mon âge, que cette enfance, c'est celle qui se déroule pendant la guerre. C'est-à-dire que les parents avaient cette chose bizarre, c'est de faire des enfants en sachant que l'Europe et le monde allaient être à feu et à sang. Enfin, c'est des choses qu'on ne calcule pas. Aujourd'hui, on calcule ça. Les parents, maintenant, c'est programmé. À l'époque, on était encore le fruit de je ne sais quoi. Bon, peut-être les gens qui croient que ça nous vient du haut, mais enfin, les parents ne calculaient pas. Et donc, je me suis trouvé avec, comme beaucoup de gens de ma génération, de vivre l'enfance dans la guerre et avec des scènes qui étaient, alors elles, traumatisantes. Voilà. Donc, le livre, en effet, occupe une place importante. Ensuite, les choses qui ont été importantes pour moi dans le réel, ça a été mes engagements politiques. C'est-à-dire que je raconte un peu comment, très jeune, j'ai été un militant communiste et comment cette passion qui va me venir aussi de la littérature, comment les deux choses vont s'articuler. Donc là aussi, c'est toujours le réel, l'engagement politique, évidemment. Là, on est en plein dedans. Et puis, les choses nouvelles qui vous arrivent, c'est des rencontres amoureuses, c'est des, là aussi où il y a des choses qui vous bouleversent. Et donc, tout ce livre-là raconte un petit peu toute cette histoire jusqu'aux dernières années de mes liens avec Catherine Millet, les œuvres qu'on a pu faire ensemble, pas ensemble, disons croisées, comme on dirait, pour Aragon et Elsa Triolet. Bon, tout ça n'avait pas été évidemment calculé, mais enfin, bon, voilà. C'est-à-dire qu'il vous arrive dans la vie un certain nombre de choses qui sont le fait du hasard ou du destin. Elles doivent vous arriver, peut-être, et puis ensuite, vous essayez d'y voir clair à tout ce qui vous est arrivé en mettant ça en mots, voilà, en faisant des livres.